Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. J'essaye! Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert ! Vite ! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question ? Bien ! J'ai une question ! Garde-la, Stiles. Ça te prend un bon point. Allez ! Je crois que je suis son chouchou ! Merde! Ils me font un tir de couverture sur la gauche! Les autres contournement par la droite! Emparez-vous de cette maison! Envoie-moi une fusée! On y va! Je te couvre! Aiello! Elle est où cette fusée? Ça va aller! Tiens,
Accroche-toi, l'ami. Sergent, donnez-moi leur position. D'accord. La porte, Daniels, allez. Ok, Daniels, occupe-toi de la porte. Ils sont passés où? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. Les poches ont laissé de l'équipement. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clocher. Pourquoi les Juifs vont à l'église? Nous, on va à la synagogue. Synagogue quoi? Tu sais quoi? Laisse tomber, là. Merde! Mitrailleuse au premier étage! À couvert! Jetez un coup d'œil à ces canons. Je me dirige vers la porte. Poche à battre nos chasseurs. Zisma, Daniello, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent. Daniel, Stiles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. T'en fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Tout le monde à l'escalier, allez! Non, pas l'échelle. J'espère que personne n'a le vertige. Ça changerait quelque chose? Non! Tiens-toi prêt! Bon, ils sont en mouvement! Couvre-toi!
couvre-les pour qu'ils puissent détruire ces canons anti-aériens. Proche près de la voiture qui brûle. Il est pour toi. Sors des lits dans le bâtiment. Ennemi, premier étage. Il y a un. Encore un. Allemand sur le flanc gauche. Il reste un canon anti-aérien dans la cour. Il n'y a aucun servant, mais ouvrez l'œil. Ils sont tout prêts. Élimine les autres! J'ouvre le feu! Sur les toits. Faut pas leur filer les positions à hauteur. C'est le dernier. On n'est pas prêt de se relever. Daniel, il y a des Boches au bout de la rue. Bien joué. Ils vont être cernés! Qu'est-ce que c'était? Sans doute Turner! Continue! Ouvrez-les pour qu'ils aient six balles! Dieu! Je suis là! Accroche-toi! Attention! Écartez-vous! Sortez de là! Vite! Dans le dos, soldat. Non, sergent. C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien. Oh, nom de Dieu, je viens juste de perdre deux bons soldats. On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons. Allez. Je vois pas Jusman. Bordel, ils étaient ensemble quand tout s'est effondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Les Boches doivent pas monter ici. C'est des grenades en réserve qu'il faut. Tenez votre position! Attrape ça! Ils ont besoin de tirs de couverture! Tirs de suppression! Continuez à tirer! Ce canon est toujours opérationnel! Ils prennent l'escalier d'assaut! Les Boches vont tout donner pour prendre notre position!
Repoussez-les avec ce lance-flamme! Entendu! Ça va. Bien joué, les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite. Ça, c'était du beau boulot, soldat. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance.